salut YouTube, comment ça va? Je suis actuellement sur Twitch, hein, twitch.tv/ironlou. On va démarrer Kingdom Hearts 3, ça va être charmé de la night. Oh là là, je suis excité comme Jaja. Putain, ça c'est le jeu de mon enfance, ça. Square Enix et Disney qui se sont mis ensemble. Les persos de Final Fantasy dans l'univers de Disney. Ah, c'est tellement bon, putain, le 3. Ça fait combien de temps que je l'attends? 13 ans, une connerie comme ça? Le 1 et le 2, je les ai poncés comme Jaja, même si je m'en rappelle plus maintenant. Et là, on teste le 3. Oh là là, ça va être charmé. J'ai regardé un petit peu des vidéos de gameplay. Ouh, j'ai regardé des vidéos de gameplay, franchement, ça a l'air extrêmement charmé. Extrêmement charmé. Allez, let's go! Kingdom Hearts 3, fais voir les petites cinématiques Disney. Ouh, c'est beau, ça, c'est beau. Pixar, ah, il y a tout ce qu'il faut, les gars, il y a tout ce qu'il faut. Ces musiques, je les reconnais, hein. Ces musiques, je les reconnais. À moins que ça soit mon oreille qui me joue des tours. Mais si je dis pas de conneries, elles étaient déjà présentes avant. Yes! Nous voici dans le menu! Dans le menu! Oh là là! Oh, je suis excité. Pour ceux qui n'ont pas joué à ce jeu, les gars, vous loupez quelque chose. Enfin, pas ce jeu, mais la firme Square Enix, le jeu Square Enix, le 1, le 2, le 3. Vous avez loupé quelque chose, franchement, c'est vraiment de la balle. Si jamais vous avez une PS2 chez vous, n'hésitez pas à les prendre parce que franchement, vous allez kiffer. Hein. Même si maintenant les graphismes datent un petit peu, franchement, ça reste de la balle. Ça reste complètement de la balle. On va partir, bien sûr, sur une nouvelle partie. Hein. Sur une nouvelle partie, vous le savez, en mode standard. Hein, le mode expert, ça sera pour plus tard et débutant, c'est pas pour nous. Standard, c'est très bien. On est parti. Oh, cette petite musique. Ah, cette petite musique. Aïe, aïe, aïe. Commencez le jeu avec cette difficulté affirmatoire. Je veux. Allez les gars, on est parti pour une incroyable aventure sur Kingdom Hearts. Ça sera en rediff sur YouTube, ça va YouTube. Et on le fera principalement sur Twitch. Mes amis sont ma force. Un pour tous, tous pour un. Hashtag ami. Let's go. Première vraie cinématique. Oh, les graphismes sont fous. Tellement beau. Tellement beau. Ok. Bon, je me suis pas spoilé, hein. J'ai pas regardé de gameplay de gens qui le faisaient ou quoi. Je me suis pas spoilé. Vraiment, on va tout découvrir. Have you heard of the ancient Keyblade War? Huh? Of course I have. Long ago, Keyblade wielders waged a war over the ownership of light. Yeah, the Master's favorite story. I wonder what they planned on doing with Kingdom Hearts after making it appear. Who knows? I don't get why anyone would initiate a war. So, you know the Lost Masters. Who? They're the ones who started the Keyblade War. Never heard of them. Where'd you hear about that? Or, they're the ones for whom the war started. I'm not following you. You can drop the facade. Facade? On that land shall darkness prevail and light expire. A prospective Keyblade master should know this. If you say so. The gazing eye sees the fate of the world. The future. It's already been written. Really? I'm not so sure about that. Besides, who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. Pretty confident. But things aren't in your favor. Perhaps, but unlike darkness, there's more light than meets the eye.
You might be surprised. Oh, I hope so. Tellement bien, ça te met dans l'ambiance. Square Enix, ils ont toujours fait des cinématiques, mais tellement monstrueuses dans les Final Fantasy et tout ça, c'était tellement foufou. Allez! Ah, c'est encore la même, le même système, on va devoir choisir un petit peu si on prend défense, attaque, toutes ces choses-là, là. Magie, toutes ces... Ouais, je crois que ça va être ça. Hein. On va un petit peu apprendre, là c'est du didacticiel, on va se taper, tout ça. Il y a 7 cœurs à sauver. Moi ça va, tu peux la laisser? Ok, je la laisserai alors. Ok, hop, oh, comme à l'ancienne. Inclinez légèrement L pour marcher. Ouais, normal. Ok, vous pouvez déplacer la caméra. Ah merde, j'ai pas vu. Pour sauter, appuyez sur rond. Ok, donc hop. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ah, on peut taper une petite accélération, non? Ouais, ok. Ok, putain, ça va vite. Hein. Wouh! Ok. Lorsqu'une commande contextuelle verte s'affiche au-dessus de la liste des commandes, vous pouvez appuyer sur triangle pour réaliser une action spéciale. Ok. J'imagine que là, hop. Cadre qui monte les trucs. La Keyblade! Ah oui, c'est vrai qu'il y a différentes Keyblades, je crois, sur ce jeu. Ah oui, c'est vrai, les gars! J'ai vu quelque chose. Les attaques du jeu ressemblent... Enfin, certaines attaques spéciales, à ce qui paraît, ressemblent... Que désires-tu? Ressemblent à des attractions de Disney. Vous verrez, ouais, au fur et à mesure, vous verrez. Que désires-tu? Alors... Là, on a la Keyblade, la Master Key de choisir la sagesse, ok. On a la sagesse, la vigueur ou l'équilibre. Sagesse, vigueur ou équilibre. Moi, je suis plus quelqu'un de sage. Je vais pas vous mentir, je suis plus quelqu'un de sage. Choisir... Oh, mais la vigueur, ça a l'air bien aussi. Hein. L'équilibre. L'équilibre, ça a l'air d'être un petit peu la fraternité, pouvoir faire peut-être des attaques avec, les mecs qui t'entourent. Tain, c'est tellement beau. Attendez, juste kiffer. Regardez-moi ça. Avant de choisir, regardez-moi ça. Juste kiffer. Ouais, je pense qu'on va se taper la petite sagesse. On va faire des attaques lourdes, je pense. On verra ce que ça fait. Écoute, on va choisir la sagesse. La sagesse, un esprit aiguisé permettant de maîtriser des pouvoirs miraculeux. Est-ce cela que tu disais? Attends, déjà? Non. Ok. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Qu'est-ce que ça nous donne, la vigueur? La vigueur, un corps robuste permettant de faire face à l'adversité. Ok, ça c'est plus la défense, du coup. L'autre, c'est plus des attaques de ouf. Là, c'est plus de la défense. Et là, l'équilibre. Un corps et un esprit au mérite et au potentiel équivalent. Ouais, ça c'est que t'as autant de défense que d'attaque. Ok, il y en a un où t'as plus, si j'ai bien compris, t'as plus d'attaque dans un, plus de défense ou les deux. Donc, on devrait normalement prendre l'équilibre histoire d'être aussi fort en défense qu'en attaque. Mais je t'avoue que j'ai envie de faire des attaques de ouf. Donc, je reste sur mon premier choix. J'ai attaqué. Allez. Oui. Ok, on est reparti. Alors, quel pouvoir recherches-tu? On va choisir le petit pouvoir, là. Choisir le guerrier. Pour l'instant, c'est vraiment juste attaquer, défendre, choisir les trucs. Hein. Donc, honnêtement, c'est vraiment pas fou. Oh, merde, j'ai pas lu, du coup. J'ai pas lu. Le guerrier. Le pouvoir du guerrier, un courage invincible. Est-ce là le pouvoir que tu recherches? Ok. Donc, on a protecteur, courage ou... Le mystique, qu'est-ce qu'il veut le mystique? Pouvoir du mystique, la force intérieure. D'accord, donc c'est vraiment moi qui me rappelle de rien. Je sais pas s'il y a des indices par rapport aux anciens. Je me rappelle vraiment de pas grand chose. Du coup je sais pas lequel choisir. Vous me conseillez lequel, les gars? Gardien? Gardien mystique ou guerrier? Si on part dans guerrier, je crois qu'on va vraiment être full attaque, hein.
Après, le pouvoir intérieur, ça peut être pas mal aussi. Le mystique peut être pas mal. Hein. J'aime bien le mystique. Le 3, le mystique aussi. Bah écoutez, on part sur le mystique, les gars. Ok. Est-ce là la personne que tu es ? Je suis cette personne. Ok. Ah voilà, là ça va être le tuto d'attaque là. Alors combat, attaquer, appuyer sur croix lorsque la commande attaquer est sélectionnée pour attaquer la Keyblade de Sora. Voilà, Sora, pas Nora, c'est Sora, exactement. Après avoir porté une attaque, vous pouvez continuer d'appuyer sur la touche pour réaliser un combo. À l'issue du combo, Sora va effectuer une puissante technique de fin de combo. Pareil esquive, appuyez sur carré sans vous déplacer pour que Sora parle les attaques ennemies. Si vous inclinez elle, tout en appuyant sur carré, Sora va esquiver dans cette direction au lieu de parer. Je crois que c'est la même chose qu'avant, ça. Je crois que ça n'a pas changé. Ok. Verrouiller les ennemis, ça c'est R1 normalement. Ouais. Lorsque les ennemis sont à proximité, Sora vise automatiquement la cible la plus proche, visible à l'écran. Si vous appuyez sur R1, Sora verrouille cet ennemi. Une fois que le verrouillage de la cible est activé, appuyez sur R2 pour naviguer entre les différents ennemis. Ok. Ok, allez. Donc R1. Là on attaque. Boum, boum, boum. Ok. Ok, bon, pour l'instant c'est vraiment easy. Putain, c'est beau, hein. Ok. Wouh. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'espèce... Aïe, 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 c'est vrai. Bon, allez. Là, on va esquiver les petites bouboules là. Boum 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 boum, prends ça mon pote. Ok, esquive, double esquive. Là, il va me faire une dinguerie. Double esquive, ok. N'oublie pas des... Aïe. Ok, putain il est beau. Attends, parce que je crois qu'on peut changer de... On peut changer de cible. Ouais, par contre, là, c'est un peu haut, frère. Ah, je peux pas. On peut changer de cible. On va prendre sa deuxième main. Waouh. Ok, tout va bien. Ah, il me sort des petits trucs de merde, là. Attends, faut que je change de cible. Ok. Non, faut que je change de cible. Ok. Boum, ça dégage les petites merdes, là. Ok, on va prendre ça, la main qu'on casse depuis tout à l'heure. Ok. Boum. Putain, cette belle Keyblade. Ok. Voilà, esquive. Je me touche même pas. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire des dingueries avec ses bouboules là. Aïe. Putain, j'appuie sur carré pourtant. C'est peut-être parce que je bouge. Faut pas que je bouge. C'est vrai qu'il m'a dit de pas bouger. Regarde les HP en haut à droite. Bah là, ça fait 30 minutes. Dans 5 minutes après, je sais pas si tu as dû découper à des moments aussi. Ouais, c'est possible. On verra ça. Il va me faire une dinguerie. Ah, oh, il va aller chercher sa bouboule de merde là. Ah, je peux pas lui attaquer les petons. Wouh. Let's go. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Attention, l'appui de bouboule là, faut faire attention. Boum. Mon pote! Oh là, je vais prendre cher. Je vais prendre cher.
Ah putain, j'ai essayé d'en esquiver un max. Allez, il a bientôt plus d'HP, on continue comme ça. Voilà, let's go. Ok. Petit didacticiel fait. Apprends-moi à me battre. Non, merci. As-tu besoin d'être guidé? On vient d'apprendre à se battre, là. Non, merci. In order to defeat Xehanort, there are allies we must gather. Acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Sora. Your Mark of Mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new abilities leaves much to be desired. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel, and in the process stripped you of most of the power you had gained by then. I suspect you have already noticed this, correct? But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power, the power of waking, which you failed to master during your exam. There's someone who lost his strength and found it again, a true hero to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. Fool? Got it. You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. I put Sora in your hands. Good night. Oh, this is gonna be lots of fun. It's not a vacation. Let's go. Count on us. On est avec les bons Donald et Dingo. Là, ça peut que bien se passer. On va aller récupérer nos pouvoirs, les gars. Tranquille. Déjà, on va voir le héros qui a récupéré les siens. Tellement bien. How are we supposed to get there now? What? I thought you knew. Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Come on, Sora! Which way? Hey! Would you get serious? Give me a break. I'm trying. These things au tout début, take time. Au tout début. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Wow. Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Master Yen Sid always said that. Right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. I got it! All right! Olympus Coliseum, here we come! On va aller voir Hercule. Kingdom Hearts 2.9. And the plan Hades devised 18 years ago was about to reach fruition. The fates had predicted this very future, the day he would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Hades' previous attempts using Terra, Cloud, and Orin to advance his plans for conquest had failed. The hour was not yet right. But now the planets were aligned, and nothing could possibly go wrong. C'est ça, comptez sur moi, mon pote. A wave of darkness slants down from their celestial rank,
One by one, Hades freed the Titans from their prison. Some of them, the same monstrosities that Sora and his friends had already fought and bested before. With both the Titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated, Hades began his attack on Olympus. Huh? No fanfare? Nope. Looks like we missed the Colosseum. Sora, you opened the gate. I was a little off again. Sorry. We'll find him. But we need to go. Up the mountain? Yeah. Up is the usual direction. Well, never hurts to have your head in the clouds. Exactly. Hey, we're leaving. Ok, bon ouais, on va dire que ça c'était l'épisode 0 YouTube, c'était un petit peu le prélude, un petit peu le trailer qui met l'eau à la bouche. On va s'arrêter sur cette vidéo VOD là, hein, n'hésite pas à lâcher un like si ça t'a plu pour voir la suite et tout ça. Bisous YouTube, à la prochaine.